Bonjour à tous, c'est Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors, bah, je vais vous faire, comme d'habitude, la petite mise à jour du jour. Alors, on va aller vite, hein, parce que j'ai que trois cartes. Donc, j'ai que trois cartes. En plus, le retour d'information des deux derniers jours, ça se résume en trois lettres, RAS. Il n'y a quasiment rien de vu nulle part. Alors ouais, on me signale une cendrée sur le Médoc, une sarcelle sur la Scarpe. Enfin voilà, c'est du bricolage. Sur au Mont-Saint-Michel, rien. En Bretagne, rien. Rien, rien, rien. Sur le sud-est, pas grand-chose. Les canards qu'il y avait dans le Var sur les salindières, bah, ils sont partis. Voilà, donc plus rien, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Donc c'est le No Man's Land le plus complet. Alors c'est étonnant parce que ça veut dire que les oiseaux de Grande-Bretagne, avec le vent de nord qu'il y a eu cette nuit, ils ne sont pas partis. Alors. Ça m'interpelle quand même. Ça veut dire que il serait peut-être plus en UK, il serait peut-être redescendu en Hollande. Alors, pour tout ou partie. Donc ça veut dire quand même que il va falloir surveiller ça, parce que s'ils sont en Hollande, ben, au prochain coup de nord-est, ça devrait bouger un petit peu. Et que s'ils sont plus en Angleterre, ça m'étonne quand même parce qu'il y avait quand même des bons. Hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est peut-être, ils sont peut-être. Alors, ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est qu'on est quand même fin novembre. Donc, fin novembre, normalement, la migration entre guillemets normale, habituelle des canards est terminée. Et. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on devrait avoir des migrations sur coup. C'est-à-dire sur. Les canards sont sur leur zone d'hivernage et on devrait avoir de la migration en cas de conditions qui sont très bonnes. Alors, il faut d'abord qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait de la visibilité et plus on va avancer en saison et plus il va falloir du froid et des conditions. De nourriture qui soit de plus en plus faible. Alors, on va regarder pour la nuit de vendredi. Alors, la nuit de vendredi, vous voyez, j'ai colorié en rouge, là, en gris, ce sont les zones de départ qui sont sur la zone anticyclonique. On a une dépression qui est au centre, au large de la Bretagne, qui va arriver sur le sud-ouest de la France avec d'abord un front chaud puis un front froid. Cela va nous tirer des vents de sud-est sur le sud-ouest, sur la Grande-Bretagne et l'Irlande, mais au nord, sur la France, sur le nord de la France, sur l'Écosse, sur l'Allemagne, sur le Benelux. Il n'y aura pas de vent ou un léger vent de nord-ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir du brouillard, malheureux huttier du vendredi. Vous serez puni, vous aurez du brouillard et du brouillard. Ça veut dire pas de canard. Enfin, en principe. Hein. Les canards qui sont au Benelux, ils vont pas bouger parce qu'ils n'auront pas de vent. Et que sans vent, ils partent pas. Enfin, c'est 70 à 80% du facteur. Ce qui décide les canards à partir, c'est le vent en général, 70%. Mais c'est le vent sur les zones de départ. Non, voilà. Alors, par contre, il y a peut-être une petite possibilité de voir des oiseaux, mais il faudra vous déplacer dans le sud-est de la France, parce que là, il y aura du Mistral, et sur la vallée du Rhône. Et il se peut qu'il y ait des canards d'Europe continentale qui arrivent par là, donc qui profitent de ce petit flux. Donc, pourquoi pas, ça peut arriver. Et s'il y a un endroit où aller pour peut-être avoir un petit peu de chance de tuer un canard, ça serait peut-être par là. Voilà. Alors, il peut toujours y avoir quelques bricolages sur le nord de la France, hein, parce que ça va peut-être geler un peu, mais très peu.
Alors, donc ça c'est pour la nuit de vendredi à samedi. La nuit de samedi à dimanche. La nuit de samedi à dimanche, vous bah, voyez, l'anticyclone il va augmenter, puis il va se scinder en deux quasiment, sauf que on n'aura toujours pas de vent sur la Grande-Bretagne, sur le Danemark, sur l'Allemagne, sur la Tchéquie, sur la Pologne. Voilà. Et. Par contre, notre dépression, elle est maintenant sur le golfe de Gascogne. On a le front chaud, un front inclus qui remonte sur la Bretagne et la Normandie. Mais ça, tout ça, ça va tirer un vent d'est. Et ça peut être intéressant. Alors, c'est un vent d'est qui ne vient pas de très très loin, mais il vient de. Il peut remonter jusqu'à la Belgique. Alors, s'il y a du canard en Belgique. Il se peut qu'on voit des oiseaux sur le nord-ouest de la France, jusqu'au baie du Mont-Saint-Michel. Quelques oiseaux du Der aussi qui pourraient partir, pour arriver un peu plus loin. Voilà, donc pour le nord de la France, c'est à peu près correct. Pour le reste, bah, ça va être, mais ce ne sera pas la grosse descente. Ce ne sera pas la grosse descente, ce sera vraiment des oiseaux très proches. Qui peuvent franchir la frontière et alimenter le nord-ouest de la France. Voilà. Alors, à 72 heures, qu'est-ce qu'on a? On a l'anticyclone qui se renforce, 1036 sur l'Irlande. C'est jamais très mauvais. Et puis un autre qui est sur l'Ukraine, la mer Noire. Alors, bah, on va avoir deux flux. On va avoir un flux de nord sur la mer du Nord qui va se transformer en nord-est chez nous. Il n'y aura pas de vent sur l'Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Est, Berlin, Varsovie. Et puis un vent de nord aussi sur le sud de la Suède. Un vent d'est sur la France intérieure, sur la vallée du Rhône. Et voilà. Donc je pense quand même que c'est pas mal. On voit, j'ai mis en pointillé rouge les 1020. Les oiseaux devraient partir parce qu'ils vont avoir du vent. Donc, il devrait partir de UK, il devrait partir du Benelux, du Danemark, etc. De l'intérieur de l'Allemagne, s'il y en a. Et il va commencer à faire un petit peu plus frais. Et voilà. Donc, un petit peu de vent comme ça, c'est toujours intéressant. Et ça devrait faire partir des oiseaux. Je pense que pas mal d'oiseaux proches. Et même continentaux qui vont se retrouver aussi sur la ligne sud-est bah, vont alimenter l'ensemble de la France. On a une grande zone de passage, hein. Ça peut partir d'un petit peu partout, ça peut arriver un petit peu partout sur toute la France. Donc 3 sur 5, 3 sur 5 plus, voilà, si les oiseaux le veulent bien. Et voilà, donc bah écoutez, voilà, les prévisions sont finies, ça a été assez vite, vous voyez. Ce que je vous dis, bah, je vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'il sera meilleur que les deux derniers jours. Et puis, bah, revenez vers moi avec vos informations, vos observations. Et j'espère qu'il y en aura un petit peu plus. Voilà, merci à vous, à bientôt, bon week-end et à dimanche pour une prochaine mise à jour.